Ça va ou quoi? Ça dit quoi? Qu'est-ce que je vous kiffe? J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vraiment je vous kiffe, on est bientôt 1 700 000. Genre là bientôt 2 millions, oh, c'est une dinguerie. J'ai vu que ma dernière vidéo vous a plu lorsque j'ai obéi à louer pendant 24 heures. Vous inquiétez pas, je suis en train de préparer la vengeance. Plus c'est long, plus c'est hard. Alors la vidéo que j'ai décidé de tourner aujourd'hui, c'est sur le collège. C'est par rapport aux heures de colle, les croix, les avertissements, les punitions, enfin bref. Mais je restais tranquille, pourquoi vous mangez des heures de colle bêtement? Et pour des trucs de bêtises, m'attraper. Si tu veux faire des bêtises, fais des bêtises intelligemment. Moi je me souviens, je faisais des bêtises mais jamais je me faisais cramer. Faut que vous soyez comme ça. Le but c'est pas faire des bêtises du tout. J'arrive à bavarder avec son pote il va rien avoir, lui il va avoir une croix. Ça me rend ouf, moi, ça me rend malade. Avant de commencer, je voudrais faire des dédicaces. Grosse dédicace à Amine Mérimi de Villeneuve-la-Garenne, Célina Bouroui de Montreuil, à Hillel de Sully-sur-Loire, Waïs d'Aix-les-Bains, et pour finir, le roi Laurent de Thiers. Merci la famille en ensemble. Bon, c'est parti. Alors, ça c'était ma défense favorite. C'est passé en 6ème, mais après les autres amis, on me croyait plus. Maman hein? Je peux te dire un truc? Oui. Bah, aujourd'hui, il y a eu un problème en classe. Quel problème encore? Le prof il a mis des croix à tout le monde. Il a mis des croix à tout le monde, pourquoi? Il a pété les plombs, il a mis des croix à tout le monde. Les bagarres, ils ont tous jeté des chaises sur tout le monde. Ah bon? Ah il est fou alors. Ah il arrive. Arrête de te foutre ma gueule là. Ah s'il te plaît, je vais regarder, on va vérifier tout de suite. Hein? On va vérifier tout de suite. Ripant à la prof, jette des chaises, il insulte tout le monde. Donc tout le monde a fait la même chose. Oui. Ah tout le monde a fait la même chose. Je vais appeler ton pote, moi je connais, mais je connais son numéro. Je connais. Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, oui. C'est la maman de Louis. Dis-moi, c'est vrai, toute la classe elle a eu une croix? Il a jeté la chaise. Il y a que nous, hein? Il a insulté tout le monde, il a répondu à la prof. Ah bah oui, je savais. Au revoir. Reste pas tranquille, hein? Con virus de merde. Et t'as des croix, toi? T'as des croix, toi? Allez, plus vite, c'est l'esclavage ici. T'as des croix, lève-toi, tu mets des balles non-stop. Relève-toi, j'ai pas fini, je t'explose la rotule aujourd'hui. Tu te relèves. Jette des chaises toi sur les gens, tu vas jeter une table, tu vois la table, tu te la jeter dans ta gueule. Alors là, ce que vous allez voir, j'avoue, je l'ai déjà fait. Ça va quoi? Ça va. Ça, je finis que maintenant? Bah, j'étais en cours, réfléchis. Vous avez fait quoi aujourd'hui? Bah, rien, on a travaillé. Ouais, t'avais quoi comme matière? J'ai eu SVT, français, maths, anglais. Passe-moi ton carnet, ça fait longtemps que je l'ai pas regardé. Ah, le carnet? Non, je te promets, fait, je suis rentrée avec ce matin. Et après, je suis sortie. Et maintenant, j'arrive pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'es mytho, s'il te plaît, je balle. Je n'en crois pas une miette. À chaque fois que tu me sors des trucs comme ça, je t'ai senti quand t'es rentré, t'étais bizarre. Passe-moi ton carnet. Mais je te jure que je sais pas où il est. T'es sûr que tu sais pas où il est? Parce que si je me mets à chercher là, t'es mort. Je te promets, je sais pas où il est. Regardez, parce que toi, je te connais. Je cherche. Voilà. Fais attention, s'il te plaît. Attends, je vais regarder parce que je le connais. Je suis sûr. Oh, je savais, il est die. Je savais. Et ça c'est quoi? Quoi ça? Ça c'est quoi? Ah, tu l'as trouvé? C'est où ton carnet de correspondance? Tu l'as bien trouvé! Ah, de ma gueule! Eh, tu vois tes petites cachettes à deux balles là? Eh, je les connais depuis longtemps, frère, j'étais à la crèche, je les faisais déjà! Non, c'est un de regarder, ouais, j'ai rien! C'est ça, ouais, t'as rien? Cette croix! Ça passe, ça passe! Une croix par matière! Maman, viens voir ton fils, là, viens! Viens voir ce cassos, viens voir! Il cache les carnets! Ouais, parce que de toi, je suis choqué, il travaille pas, il fait des conneries, il croit! Il fait des croix, quand virus de la famille, tu te dégages. J'ai pas de cassos dans ma vie, je le déteste. Reviens encore dans ma maison, je te boxe. Pas capable de rester tranquille, elle ramène des croix. Ah oui, il s'inspire de toi, Falasteron. Ah oui, c'est un mauvais exemple. Il est nourri logé, pour ça il fout la merde. Commence pas à dire qu'il s'inspire de moi. Si, il s'inspire de toi, ferme-la toi, parce que sinon je te boxe là, je te massacre devant tout le monde.
C'est pour ça qu'il peut pas me le faire. Tout ce qu'il a fait, je l'ai fait en avance, donc je peux pas me carotte. Même vous, si vous avez des crottes, des heures de colle, ça sert à rien de dire ouais, je l'ai perdu, je sais pas où je l'ai mis. Eh, les grands frères, les parents, les grandes sœurs et tout, ils ont caché leur carnet. Je vous balance. Oh. Ah non, mais t'as des profs, ils faisaient des trucs derrière notre dos. Hein. Et moi, je me souviens, des fois, j'étais pas prêt. Mon fils, il est disputé dans l'école. Il est viré. Ok, c'est pas grave. Quand il rentre, je vais occuper de lui. Bonsoir et ta gueule. J'ai vu Mazagri l'oreille. J'ai vu faire du guet-apens. L'école m'a appris, t'es fait de la merde. T'es fait de la merde. Tu vas aller dans les prisons là-bas, rester là-bas comme un chien. Tu vas rester en prison ici. Mais laisse-moi sortir. Tu dégages, tu dégages. S'il te plaît. Y'a pas de zidoublé. Mais pourquoi tu restes là? Petit passage comme une image, tu restes ici. Je passe. T'inquiète, y'a pas de papa. 1 hour later. Écrit 4800 lignes. Mais oui, c'est trop papa. Écrit. T'as mal écrit, tu recommences. Tu recommences. Et je reste sage, gombaba. Mais arrête, c'est bon. Et t'as oublié les S, tu recommences. Tu recommences. Arrête, arrête. Encore. Je reste sage, gombaba. Virgule. Comme une image. Les majuscules. Arrête, arrête. Lila, elle fait que d'appeler mon père, j'ai rien fait. Laquelle? Mais arrête, j'ai rien fait, pourquoi tu me tapes? Comme une image. Oui, comme une image. Arrête avec les pieds. Laquelle? Arrête. Ah bah oui, t'étais pas au courant, tu sais pas d'où ça sort. Ah mais t'es juste choqué, bim, un coup qui t'arrive dans la gueule. Alors, au début tu comprends. Eh, franchement les profs, arrêtez de faire des trucs comme ça. Prévenez-nous au moins, on se prépare psychologiquement. Oh, par contre y'a des profs, franchement, des fois c'est des sadiques. Cousin, tu sais très bien, je vais me faire défoncer. Pourquoi tu fais ça? C'est bon, vous êtes prêts? Oui. Oui. C'est parti. Alors, la mère de Tom rentre à la maison. La... Mais qu'est-ce que tu fais? Rentre. Tu comprends pas? Oui. Non, non, je... mais madame, c'est... Non, non. S'il vous plaît, mettez rien, s'il vous plaît, mettez rien. S'il vous plaît, je vais me faire défoncer, oui, madame. Oui, oui, oui. C'est pas grave, cette fois. Merci. Mais vous êtes... T'es chocolé. Madame, arrêtez, s'il vous plaît. Je vais me faire tabasser. Madame. La prochaine fois, je te dis. En plus, ça sonne. Au revoir. Au revoir, au revoir. Ça sonne. On y va. Foulez. Tiens dans ta gueule. Mais ça se fait pas, franchement, ça se fait. Vous savez très bien, les dommages collatéraux, ils sont énormes. Pourquoi vous faites ça? Vas-y, bah non, tu verras. Et ils notent, ils sont contents. Tu vas voir, tu vas te faire défoncer. Alors ça, par contre, faut m'expliquer. Pourquoi c'est des cassos qui surveillent des élèves en permanence? C'est ridicule, ça. Ridicule, complot. On parle, on a le droit de parler, non? Je te rappelle que t'es collé. On est en perte. Hé, la ferme. Ferme-la. C'est incroyable, j'en ai marre de ce collège de Z. Franchement, je... T'as vu comment ça s'affiche? C'est grave. Mais maintenant, ils font ça partout. Magnifique. Hé, tu comprends pas ou quoi? Depuis tout à l'heure, je suis en train de dire de la fermer. Hein. Tu comprends pas? Coule là. Calme-toi. Non, mais c'est comme ça qu'il faut leur parler à eux, là. Me réponds pas. Mais par contre... Me réponds pas, tais-toi. Par contre, j'ai pas de ticket. Faut pas les taper, ok? C'est comme ça que ça se passe ici, ok? Moi, j'ai grave envie d'aller là. Non, mais franchement, il va s'énerver. C'est magnifique. C'était bien chaud et tout. Chut! Il veut pas écouter. Mais le vrai, il sait que. Hé! Ferme-la! Y'a quoi, j'ai ferme ta bouche, ferme-la! Tout à l'heure, je te la bouclée, tu comprends pas? Ferme-la! Ferme-la quand je te parle, ferme-la! T'as vu comment elle prend la bouche? Tu parles à qui là? Je te rajoute une heure! Mais pourquoi? Deux! Mais j'ai rien fait! Trois! Tu veux rester jusqu'à 20h ici? Mais je peux pas, c'est pas possible en fait. Si, mais on reste exprès pour toi. 4. Non, mais je vais lui prendre la matelas, il va dormir ici. Mais lui, de toute façon, il va finir à la rue. Viens, demain, je te ramène. Prends ça dans sac de couchage, c'est ici que tu passes ta soirée, ok? Prends ça dans dentifrice, bien sûr. Non, parce que lui, ça doit être brosse à l'eau. L'un marche pas sans l'autre. Ah, j'en ai plus qu'est-ce qu'on est drôle. Trop drôle. Allez, les losers. Je pense que les surveillants c'est des cassos. Hein. Moi à mon époque c'était des cassos. Ouais, je me souviens, un surveillant, je lui ai dit ouais, stylé. Mais je crois que je vous l'ai déjà raconté. Un surveillant, je lui avais dit ouais, stylé ta ceinture. Il m'a dit ton carnet. Ouais, j'étais con ou quoi? J'étais complimenté. Alors ça, je comprends pas. Quand t'es au collège, c'est l'événement de la sortie des cours. Ciao. 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 Ciao.
Tu vas voir à la sortie. T'inquiète, non, sors là, tout de suite là. Là, on sort. Tu vas voir. Si je t'ai pas dégonflé, hein, je suis trop le mec. Hein. Tu vas voir, je vais t'éclater. Massacré. Tu sais pas défendre, moi je te massacre aussi. Lève-toi, mon camarade, lève-toi. Lève-toi, je vais lui boxer. Ah non mais laisse tomber, il sortait des cours, il se prenait pour des boxeurs hein. Mayweather est dans la place, mais allez quitte là-bas. Mais vous êtes sérieux là, vous êtes petit comme ça, ça mec ils font des clans. Ouais, les gens ils chauffent autour. Ouais, mais vous croyez que vous êtes aux States? Alors rentre chez toi, t'as atelier lecture demain. Et puis voilà la famille, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et dites-moi aussi c'est qui le prof le plus relou avec vous, de quelle matière. Moi je me souviens quand j'étais au collège, le prof que je pouvais pas me voir c'était maths. SVT. SVT physique chimie, mais pour qui ils se prennent? Non mais vous croyez que vous avez inventé l'eau? Les profs de musique c'était bavon. Les profs d'art plastique ils sont complètement perchés. Ah ils sont sur une autre planète. T'as envie de leur dire réveille-toi, on est sur terre. Comme d'hab, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner aussi à mon Instagram que je vous mets juste ici. Allez-y, on est bientôt 800 000 aussi sur Instagram. Franchement, ça fait plaisir. T'inquiète. Et sans plus attendre, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, je compte sur vous, et activez la cloche pour ne rater aucune vidéo. Merci la mif, ciao. C'est comme ça que ça se passe ici, ok? Voilà. Je suis pas tiré sous mon... Couper en... Mais je coupe.